a sunset view. I'm thinking so you're gonna want to. Give your home to what we need. I'm gonna go on and meet one day. Eh bien, salut, j'en suis ici pour la suite de Mafia 3. Et puis on va directement parler à Cassandra, parce que on a fait un beau massacre la dernière fois, faut le dire, faut l'avouer. Et donc maintenant, on va directement parler à Cassandra, ce qui s'est passé, tout ça. Alors, elle est où? Oula. Non, ça fait pas peur. Oula. Si en fait finalement, ça fait peur, oui. Le nom de cet homme est Jesse. On était en train d'avoir une petite conversation à propos de Richie Doucet. Écoutez, moi j'ai fait que dalle, vous entendez? Je sais rien du tout. Je me promenais, je marchais dans la rue et elle m'a chopé comme t'es ça. T'es avec les Dixie, c'est ça? Non. Enfin si, mais... Merde. J'ai fait ça pour le fric, ok? J'ai rien de personnel contre vous. J'ai même pas de flingue sur moi. Où est Doucet? Il est au parc d'attractions abandonné, à l'ouest. On part en samedi. T'as une idée de ce qu'il fout là-bas? Il paraît que c'est parce que vous foutez la merde. Georgie est en train de péter un câble. Il veut que Richie crève. Alors Richie, il s'est barré avec ce qui restait d'héroïne, et ensuite, il a dit qu'il la jouerait discrète jusqu'à ce qu'il ait réglé ses comptes avec Georgie. Il a combien d'hommes avec lui? Putain, je sais pas, moi, tous ces hommes. Passe-moi ton couteau. Non, oh non, pitié, je vous ai rien fait du tout. Pitié, je vous en supplie, ma maman, ma pauvre maman. Dégage, allez. Il pourrait prévenir Doucet. Non, il fera de mal à personne. Laissons-le retourner chez sa mère. Si tu te trompes, il y aura un prix à payer. Ça, faut pas jouer avec un couteau, là, c'est dangereux. Tu es Richie, vous avez pris le contrôle du trafic d'héroïne et du réseau de prostitution, ce qui a forcé Richie et les Dixie à sortir de leur trou. Voilà comment vous lancez à la poursuite de Marcano. S'appelez à l'opération criminelle, puis prenez le contrôle. Ok, donc ça va être de nouveau un truc un peu chaud là. Après avoir anéanti ces trafics, vous pourrez vous lancer dans la poursuite de Marcano. Allez, tu es Richie, Doucet. Et prenez le contrôle de Delray. On va essayer. Allez. Ma voiture, elle est plus là. Où est-ce que j'ai garé ma voiture? Oh putain, quelqu'un m'a volé ma voiture, quoi. Ah, j'hallucine. Bon, bah on va pas aller en stop quand même. Donc on va simplement... Putain, j'aime bien comme il accélère d'un coup comme ça. Il avance comme ça un peu plus. Bon, du coup, on va prendre cette voiture. Allez. Pas le temps. Rendez-vous au parc de Baron. Oh putain, il y en a un qui va appeler les flics. C'est pas grave, on n'a pas le temps. Ouais, ouais, très bien les flics, toi, t'as raison. Merde, c'était là. Envoyez des unités par ici. On nous appelle à propos d'une voiture volée à Delray. Il y a une unité dans la zone. Mais non, il n'y a pas de voiture de volée à Delray. Mais arrêtez de raconter des conneries, s'il vous plaît. C'est là. Ah bah oui, c'est en effet un parc d'attraction. Allez. Baron Saturday. Fun Park. Ah oui, d'accord, en plus, il s'appelle vraiment comme ça, quoi. Le Baron Samedi. Enfin, Baron Saturday, normalement, mais... Mais en français, ça fait samedi, en effet. Par contre, cette parc d'attraction, il m'a l'air un peu pourri. Est-ce que on est d'accord que... Bah, je sais pas s'il est encore ouvert, quoi. Enfin, en tout cas, s'il est ouvert, j'aimerais pas trop y aller non plus, quoi. Ce serait pas le parc d'attractions de mes rêves non plus. Trouver Richie. D'accord. Il y a un mot de ralenti, carrément. Je le sens mal, putain. Richie ferait mieux de régler ses histoires avec Georgie. De toute façon, il n'y a pas le choix. Sinon, on l'aura dans le cul pire que ta mère au bal de fin d'année. Ouais, ça c'est sûr. Bon, je ferais mieux d'y retourner avant que Bobby se remette à râler. Ok, fais gaffe à toi surtout. Voilà, je vais me mettre... À toutes les unités, abandonnez la poursuite et...
reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Bienvenue au parc d'attractions du Baron Safin. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, mettez vos soucis de côté et amusez-vous. Mais méfiez-vous. On ne sait jamais ce que ce vieux vicelard de Baron vous réserve au détour du chemin. Ok, c'était quoi cette annonce? Et pourquoi ça tire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on se prend le snipe, là? C'est peut-être une bonne idée. Et genre, on y va en mode... snipe. Il y en a un qui va monter, là. Du coup, on va prendre le pistolet. Mec, ça, c'est à moi, par contre, ici. Voilà, c'est une propriété privée, ici. Donc, évitez de monter, s'il vous plaît. Est-ce que on peut aussi... Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs modes? Non. Il y a juste cela. Ça l'a tué? Oui, ça l'a tué. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le moyen le plus discret, quoi. Le snipe. Tu sais, tout ce que t'as à faire, c'est crever. Il est où? Il n'y en a pas un qui s'est caché, là? Putain, on voit rien en plus. On se prend la lumière... le face là. Toi par contre je t'ai vu monsieur. Il faut juste regarder s'il y a personne qui remonte là. Non c'est bon. C'est pas. Ok bah les gars vous voulez pas venir? Arrosez-le depuis l'autre côté. Ah, c'est bon, il y en a un qui va venir. Allez, je vais m'en occuper. J'aurais dû t'enfuir quand tu le pouvais encore. Bonjour. Tiens. C'est cadeau. Qui est-ce qui tire comme ça contre moi? Les gars, il faut pas tirer, s'il vous plaît. Par contre, le problème, c'est que je le vois pas. Ah, je peux carrément sortir ma tête. Bah, je propose qu'on avance un peu, là, parce que sinon, on va rester coincé ici jusqu'à la fin de notre vie. Donc, on y va. Par contre, on n'a pas trop le temps de descendre les escaliers. Enfin, les échelles. Bouge. On va prendre le sniper. Ah non, attendez, non, 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 non. Il est un peu trop loin. Par contre, je pense qu'il y en a encore un dans les environs là. On va pas avancer trop rapidement non plus. À part s'il s'est cassé quoi. Prendre les parcs d'attraction un peu abandonnés comme ça, c'est... Ça fait un peu peur, quoi. Allez, dans le cul. Si, c'est bon, en fait, il était déjà mort au premier coup. Ok, là, par contre, toi, je t'ai vu, là-bas. T'essaies de viser de là-bas avec un pistolet. Toi, t'es courageux, quand même. Ok. Bon. Ah non, en fait, il y en a encore un. Tu t'es caché où? Je le vois plus maintenant. Viens là, enfoiré. Qui est-ce qui me parle? Ah là. Voilà. Mais vu qu'il a parlé à quelqu'un, je pense qu'il doit encore avoir un mec. Là, il y en a un. Mais il y en a plein en fait. Par contre j'ai juste encore une balle. Donc c'est le dernier coup du sniper. Et après il faudra aller au pistolet. Allez putain, en plus le sniper il est pas mal. On a fait tout ça propre. Par contre ça peut-être je prends là cette arme. Parce que j'ai plus de munitions du sniper. Avec celui-là logiquement on peut pas viser ma snipe, mais ça a l'air de faire mal aussi, donc je la garde. Ok, on avance. Là, sur la droite,
c'est la même. Ah oui, c'est. L'endroit rêvé pour rester à l'égard des ennuis. Si vous êtes plutôt du genre téméraire, allez défier les alligators les plus féroces de ce côté du bayou, sur le grand 8 du Crazy Gator. Mais attention, il paraît qu'ils adorent la viande bien foncée. Il est con. Par contre, je veux pas trop squatter ici. On va partir. Cet argent là, je le prends. C'est 18$, c'est toujours cette prime. What? Quoi? C'est quoi ce rire? Arrêtez de rigoler comme ça, franchement. Hein? Allez, viens là, toi. Voilà. C'est qui ces gens qui bossent ici, quoi? C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il m'a eu? Lui, il est plutôt fond là, mais ça va être un peu chaud. Merde. Voici notre problème. Par contre, ils m'ont vu. Oh putain, en plus, ils sont nombreux là, hé les gars. Vous êtes nombreux. Fallait me prévenir ça. Moi bon, je pense que de loin c'est quand même mieux de prendre le fusil là. C'est l'heure de ta prière. Tiens. Hé hey, fumier, c'est Georgie qui t'envoie. Ah tiens. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes là qui veulent mourir? Non? Je suis sûr qu'il y en a encore un qui se cache là comme un enfoiré. T'as peur de moi? Bah non, visiblement que t'as peur de moi plutôt. Bon, j'en vois un sur la carte. Je sais pas si c'est le dernier. Voilà. Voilà. Tu fais quoi? Voilà. Ça se passe bien. Et maintenant. Eh hey, enculé, on sait que t'es quelque part dans le coin. Bah, montre un peu ta gueule. Je suis juste devant vous, quoi. Sors de là, je te promets qu'on fera ça vite. Va voir s'il est toujours dans le bon rafleur. Allez, regardez un peu ailleurs, comme ça, moi, je peux passer un peu plus discret là. Bon, sinon, venez un par un. Comme on l'avait fait la dernière fois avec Tomb Raider. On l'a attendu un par un qui venait comme ça. C'était marrant, ça. C'était bien vu. Qui n'ont pas regardé, je vous invite à aller voir parce que c'était assez marrant. Bon, du coup les gars, je vais vous finir un par un aussi. Bien, dans un premier temps, et ton collègue aussi, il va tout de suite dépasser. On va essayer de rester le plus discret, le plus longtemps possible. Quoi. Oh ça c'était violent par contre. Mais cache-toi. Pourquoi il veut pas se cacher? Ah, il peut pas se cacher contre le mur. Bizarre ça aussi. C'est vraiment très simple. Quoi, tu voulais dire quoi? Bah finalement, t'as pas eu le temps de finir ta phrase, écoute. Et on va continuer vers là. Putain, j'espère qu'on va bientôt retrouver Richie là, parce que... Chronadise Wild Ride, c'est l'attraction la plus sauvage du pays. Grimpez et c'est parti pour un tour. Et quand vous serez de retour sur la terre ferme, passez par la boutique du docteur Yaya.
pour déguster un petit remontant. Faut se mettre à couvert. Fais la lumière. Allume-le avec un molotov. Carrément. Tout de suite le molotov. Putain, c'est violent quand même. Bon les gars, pourquoi c'est vous tirez comme ça là? J'essaie de faire ça discret et puis vous tout de suite vous sortez les armes là. T'attends quoi? Fume-le. Ouais, crame mon gars. Par contre, fais gaffe, je joue pas avec le cocktail molotov quand même. Waouh, 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 les gars! Mais arrêtez! Là. C'est dangereux un cocktail molotov, ça, quand même! C'est pas un jouet! Ils sont où là, les. Ah, t'es là! Voilà! Comme il m'a fait mal, avec un coup, il m'a pris. Genre toute ma vie, quoi. Quasiment. Ok, bon. Mais peut-être en fait je devrais éventuellement prendre une bille en fait, voilà. Voilà. C'est rare que j'en fais, mais autant l'utiliser un peu. Et d'ailleurs j'en avais vu un juste là, parce que j'ai pas pu le prendre vu qu'on avait déjà 3 sur 3. Mais maintenant vu que j'en ai utilisé un, on pourrait éventuellement le prendre, voilà. Comme ça on est bon. Comme ça on a un peu plus de vie. Ok, mais je pense qu'il n'y a plus personne, donc du coup on peut passer. Là. Je vais prendre tout l'argent qu'il y a par terre. Je vais devenir ton pire souvenir. Putain, vous voilà arrivé à la grande roue. Ça vaut vraiment le coup, ça, oui. Tout là-haut, la rue est à se tanner. On a descendu un autre. Vous verrez par vous-même. Mais fais gaffe avec vos cocktails molotov là à chaque fois. Oh non, je recharge juste au mauvais moment. Ça c'était pas une bonne idée. Allez, toi tu dégages là, tu m'as lancé un cocktail molotov, ça se fait pas. Voilà. Continuons vers là. Je suis pas le genre de bloc qui se laisse emmerder. Bon, là, on va y aller en mode bourrin. Tu crois que je vais m'asseoir sur cette cam comme ça? Par contre, je vois pas grand chose en fait. Laisse-moi, wow. Ça risque de faire mal. Ça me rappelle carrément de Tomb Raider là avec le feu. Par contre, là, je vois absolument plus rien. Wow. Il nous faudrait en effet Tomb Raider pour nous aider là à éclairer un peu. Wow. On se détend là, s'il vous plaît. Là. On va y aller comme ça. Non, quoi qu'en fait, avec le pistolet, c'est bon. Tu fais quoi ça? Bon, j'ai bientôt plus de pistolet. Ah bah là je suis dans le nord absolu. Donc, bah, il est où avant de l'affronter? Il est où? Putain c'est chelou cet endroit. Ah, il m'a lancé aussi. Une petite du molotov là. Aïe, il peut me toucher de là. Non. Allez. T'as dit pas mort toi encore. Ok, il est l'heure du fusil. Par contre, je vois absolument qu'il y a. Ah, il y en a un là. Visiblement. Voilà. On recharge et après on rush. Allez. C'est ma putain d'héroïne. Vous avez pas le droit. Mais si c'est crevé que tu veux, alors amène-toi. Vas-y, j'arrive. Oui, passé.
le pistolet, par contre, on recharge là. Ok, il est là-dedans. Enfin, je pense. Non. Non, 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 non. Ah, voilà. Bonjour. J'en reviens pas, Georgie, on voit un mec. Qu'il aille se faire foutre, et toi avec. Putain, c'est lui l'héritier parce qu'il a, il a trop de vie. Voilà. On rush. Allez. Réfléchis un peu, merde. Tu crois que tu peux venir comme ça et voler mon héroïne sans te faire remarquer? Je suis pas là pour ton héroïne, Richie. Je suis là pour te faire payer ce que t'as fait à Sammy et Elise Robinson. J'ai absolument rien à voir là-dedans. Je t'ai vu planter Elise dans le ventre. Je pouvais rien faire à ce moment-là, mais maintenant je vais pas me priver. Putain de merde! C'était pas mon idée, t'entends? C'était Georgie, juste lui et son père. C'est eux qui voulaient vous buter, pas moi. Oh. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, leur dire non? Soit ça, soit ta souris, j'étais mort. Oh non, non, non. Non, pitié. Attends, écoute, écoute. Laisse-moi au moins faire une dernière prière avant de me tuer. Tu prieras en montant. Quand j'ai vu que Richie Doucet avait été pendu à la grande roue, je suis resté complètement incrédule. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Les mafieux passent leur temps à s'entretuer, mais il s'agit en général de petits accrocs ponctuels. Un Rital mange des spaghettis aux boulettes de viande dans son restaurant préféré et se prend une balle dans la tête. Mais là, c'était autre chose. Avant même de savoir qui l'avait refroidi, je savais que Richie était là pour l'exemple. Lincoln avait été formé à la guerre psychologique par la CIA. Il voulait faire peur à la pègre, leur faire savoir qu'il les tuerait les uns après les autres, et que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Putain, la violence extrême, quoi. Ah, c'était violent, quand même. Ah, il faut le dire. Tu prieras en montant. D'accord. Super trophée. Parler à Cassandra. Waouh. Ok. Bon, c'était vraiment violent. On va s'arrêter là-dessus. C'est du lourd, quand même, comme il l'a tué. Parce que c'est pas comme d'habitude non plus, quoi. C'est pas une tête dans la balle. C'est... Une tête dans la balle. Une balle dans la tête. Une tête dans la balle. Excellent. C'est vraiment un peu plus violent, quoi. Mais bon, on va s'arrêter là, comme dit. Et on va se retrouver très prochainement pour la suite. Pour donc parler à Cassandra. Pour savoir ce qu'on va faire prochainement. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et puis à très bientôt pour la suite de Mafia 3. Et puis bien sûr sur notre d'autres aventures. Donc Battlefield 1 demain. Après il y a Tomb Raider. Il y a du Civilization. Il y a du FIFA. On va pouvoir s'amuser les prochains jours, les prochaines semaines même. Avec les vacances et tout. C'est pour ceux qui ont de vacances. Donc profitez-en. Et puis à très bientôt pour la suite. At GameCards, MMOGA, your gaming specialist with killer prices.